Bonjour, c'est Patrick Louis du site Comment apprendre la photo. Mettre à jour le firmware de son appareil photo est toujours impressionnant la première fois pour un débutant. Et comme vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous devez d'abord vous assurer que la batterie de l'appareil photo est bien chargée. Ensuite, vous allez formater la carte mémoire. Carte mémoire que vous allez retirer et placer sur votre ordinateur. Vous faites une recherche en tapant la marque de votre appareil photo. Vous tapez Firmware GH4 dans mon cas et vous devez trouver la page du constructeur. Il faut accepter la licence. Lorsque vous cliquez sur votre modèle, il peut arriver avec le lien de téléchargement un blocage dû au pop-up. À ce moment-là, vous débloquez les pop-up, comme je fais à l'instant. Et maintenant, vous pouvez télécharger. Donc, vous cliquez sur le lien. Vous descendez en bas de la page. Et là, vous avez deux versions, une pour Windows et une pour Macintosh. Donc voici la version Windows. Là, le logiciel est en train de se charger. C'est un fichier exécutable. Alors, ce n'est pas ce fichier que vous allez mettre sur votre appareil photo. Il faut exécuter puis installer. Et c'est ce fichier bin. Quand je change l'affichage, c'est ce fichier bin que vous devez placer sur votre carte mémoire. Alors, soit par copier dans un dossier, si vous avez cette fonction installée sur votre Windows. Et voici le fichier sur la carte. Soit par un glisser-déposer. Faites attention de bien le mettre à la racine et pas dans un des trois répertoires déjà présents. Comme vous pouvez le constater, sur cet appareil, c'est un firmware 2, assez ancien. Donc là, vous réinstallez la carte dans l'appareil, toujours appareil éteint. Vous rallumez l'appareil. Et maintenant, en appuyant sur le bouton de visionnage, le procédé se met en place, vous l'acceptez. Ici, c'est accéléré, mais ça dure environ 5 minutes. Donc ne vous inquiétez pas, tout se passe normalement, mais il faut être un peu patient et c'est pour ça que votre batterie doit être bien chargée. Voilà, l'appareil s'est remis en route. Donc éteignez-le, relancez-le. Vous pouvez à présent constater que le nouveau firmware s'est installé correctement. Si ce tuto vous a plu, merci de cliquer sur le petit pouce en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour profiter des prochaines vidéos. À bientôt sur Comment apprendre la photo.